Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. On va continuer avec les contraires. Aujourd'hui, le contraire, casser, réparer. Je pense que tout le monde connaît le mot casser, mais peut-être que vous ne connaissez pas le mot réparer. On va regarder ça ensemble. C'est parti. Casser. Casser quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne marche plus, c'est casser. Par exemple, mon téléphone est tombé par terre. Ah, il est cassé. Il ne marche plus. Donc ça, c'est cassé. Et le contraire, on dit réparer. Par exemple, mon téléphone est cassé. Je vais aller au magasin en bas. Il y a un magasin spécial pour le réparer. Après, il va marcher, j'espère. Par exemple, si c'est juste l'écran qui est cassé, je peux demander à remplacer l'écran et le faire réparer. Réparer mon téléphone. Après, il va marcher. La même chose, par exemple, un vélo. J'ai un vélo et le vélo est tombé ou j'ai eu un petit accident. Le vélo est cassé. Alors, je vais demander à mon ami et avec mon ami, on va réparer le vélo. Réparer ce qui est cassé dans le vélo. Voilà, j'espère que c'était clair. Les contraires pour aujourd'hui, casser, réparer. On peut faire aussi comme ça, comme un mécanicien, vous savez. Le mécanicien, il va réparer les choses, réparer les voitures. Donc, le contraire, réparer. Après, une fois qu'on a réparé, la chose va marcher comme avant. La chose ne sera plus cassée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à écrire vos exemples dans les commentaires. À bientôt !